Et yo tout le monde, c'est Finks40, on se retrouve donc aujourd'hui donc pour le second épisode de notre aventure sur Super Mario Maker 2. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça a super à l'idée de vous continuer cette aventure. Je suis super content de l'accueil que vous avez fait à cette aventure, franchement je trouve ça génial. Pardon. Et donc aujourd'hui on va pouvoir continuer donc l'aventure. En plus du coup on va pouvoir faire on va faire l'aile est. Voilà. Donc il y en a pour voilà 3 étapes. Parfait. Allez, donc c'est parti. On va continuer donc. Alors, hop. Catapulte à bascule. Ok. Donc c'est parti. Alors, c'est de prof de PS en plus. Ok, pourquoi pas. Ah ouais. Donc oui, à propos du programme de la chaîne, tout simplement, sur Super Mario Maker 2, il y aura donc 2 vidéos par semaine, je pense. Le lundi et donc le vendredi. Voilà, je pense que ça fera déjà pas trop mal. Hop, vas-y, donne-moi ça, merci. Hop, allez. Hop, là on fait vraiment attention. Oui, j'ai failli me faire avoir. Voilà, ok. Ah. Ah, encore une fois. Merci. Là-dedans, il y a quoi? Ok, donc il y a une pièce. Évidemment, faut que je me fasse avoir. Et évidemment, faut que je me fasse avoir là aussi. Décidément, ça commence très bien. Donc oui, on part sur 3 épisodes, 3 mondes comme d'habitude. Sauf à des moments où il y en aura sûrement 5 en fait. On verra en fonction de l'avancement du château, tout simplement. Hop. Ouais, donc la vie, hein, c'est pas très grave, on l'apprend pas. Hop, voilà. Hop, allez, on avance. Vas-y, fais tomber. Merci. Voilà, on passe là. On va essayer de pas se faire avoir cette fois. Ah non, zut. Bon, tant pis. Tant pis pour la pièce, vous savez quoi. J'avais oublié qu'on ne pouvait pas porter les carapaces trop lourdes non plus. Hop. Allez, on continue. Voilà, hop. Hop. On peut même pas récupérer la pièce, quoi. Allez. Voilà, laisse-moi passer toi. Hop, on fait attention. What the fuck? Non mais oh. J'essaie un truc. C'est pas dit que j'y arrive, mais voilà, j'aurais tenté. C'est pas grave. En plus du coup, je suis monté là pour rien. Ok, donc premier niveau terminé. Nickel. Tac, parfait. Allez. Nickel, nickel. Après. Alors, sens dessus, dessous. On dirait bien que j'ai creusé mon trou jusqu'à l'autre bout du monde parce que tout est à l'envers. Mais de l'autre côté, je ne me plains pas. C'est plutôt marrant. Mais les réflexes sont... Ok, donc je vois à peu près ce que c'est. C'est en gros, c'est les tunnels. Enfin, les tunnels. Où on va se retrouver, enfin quand on rentre dedans, on va se retrouver en dessous, je crois. Peut-être pas. Peut-être que je me trompe. Mais non, je pense pas. Ouais, c'est ce qui me semblait. Hop, et on se retrouve en dessous.
Ça, je trouve ça vraiment bien fait. C'est vraiment un travail de fou, ça. Idiot! Et oui, c'est vrai que les réflexes en même temps, c'est un peu plus galère. Parce que du coup, les commandes sont inversées. Tac, on va pouvoir retourner ici. Attention. Voilà. Parfait. Ouais, du coup, pour revenir au précédent épisode, moi, je voyais le rendu décalé. Mais finalement, en fait, non. C'était normal. Donc, c'est génial. Allez, hop, on rentre là-dedans. Ok. Une vie en plus. Ok. Hop. Oh non, je me suis fait avoir par le bloc. En plus, tout ça pour une vie, quoi. Non. Ah, c'est inversé, c'est chiant. Ouf. Allez, on remonte un peu. Ok, on est passé. Hop, on revient de ce côté-là. Pour arriver à la fin. Et voilà, parfait. C'est parfait. Là, pour le moment, on est assez rapide, je trouve. Ça se trouve, on aura peut-être le temps de commencer aussi... le grand hall du rez-de-chaussée, on verra. Le hall central. Évidemment, j'ai fait le boulet. J'ai encore fait le boulet. Non, mais décidément. Voilà. C'est juste parce que j'avais oublié qu'on ne pouvait pas porter les trucs dans ce jeu. Dans ce jeu-là. Du coup, moi qui ai tellement l'habitude que quand je cours, je prends les objets, bah là, je me suis fait avoir. Tac, la pièce. Allez, dépêche-toi de passer. Voilà. Oh non! Oh l'idiot. On fait attention. Voilà, parfait. Je suis allé trop vite, les amis. Je suis allé trop vite. Allez, c'est reparti. C'est pas grave, ça arrive. On n'est pas un pro de Mario non plus. Hop, allez. On récupère la pièce. On laisse passer les boules de feu. Tac. Ok. Décidément. Deux fois que je fais le poulet, les amis. Non, non, je te demanderai pas de l'aide, Luigi. C'est hors de question. Hop, allez, champignons. Oh, c'est vrai que je pouvais faire ça, j'avais oublié. Ouf, j'ai eu peur. Hop, hop, hop. On évite de refaire le poulet cette fois. Ouais. Ah ouais, en plus là-haut ça nous aide. Regardez, là il y en aura trois. Il y en a trois. Et là les deux elles seront à côté. Enfin les trois, les quatre même. Vite, vite, vite. Ouf. Allez, monte. Parfait. J'aurais pu passer par en dessous. Eh ben non, tu me toucheras pas. Voilà, donc on a réussi le troisième niveau. C'était assez rapide, donc je pense qu'on va continuer un peu. Allez, hop.
Ouais, du coup l'aile S du rez-de-chaussée est fini. On en est à 13%. Non, non, comme tu... Ouais, zou. Allez. Hop, on va faire la cour de le corps de logis aussi. Parfait. Et il y a 4 niveaux encore. Allez, donc on va faire ça. Du coup. Ah d'accord, on passe de 10 à 7. Ok, très bien. Donc. De pince en pince. Ok. Donc c'est parti. J'ai horreur tes pinces. Encore les premiers niveaux comme ça, ils sont assez simples. Hop, on récupère le plus de pièces en même temps. Voilà. What? Ah ouais, nice. C'était génial ça. Hop, là on n'a pas intérêt de soirée. Balade, maman. Yeah. Eh ben, c'était un parfait. C'était un petit perfect. On tryhard les niveaux. Allez. Ouais, nickel. Si je continue à tryhard comme ça, ça fera une assez bonne vidéo. Donc, je suis content. Défilé de chaussures, ils sont trop chauds ces Goomba chaussures. Ah oui, les Goomba chaussures. Ça aussi c'est génial. DJ du duo Choc, ok. Allez. Je suis trop petit. Voilà, on l'a eu. Hop, donne-moi ça, j'en ai besoin. Merci. Donne-moi. Ouf. On a eu chaud. Allez. Je sais pas si le tien est trop fort, mais pour moi, il était un peu trop fort. Et donne-moi ta botte, toi. Hop. Oh non. Tiens, toi. Donnez-moi des bottes, s'il vous plaît. C'est plus de bottes. Oh, une botte géante. Ça, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Toi aussi, là, qu'est-ce que tu veux? Oh, nice. Vous voyez, je savais même pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Ah non, mais c'est pas vrai. Donne-moi tes bottes, toi. Merci. Voilà. Hop. Hop, allez. On se barre. On se barre, les amis. Ah non, mais c'est pas vrai. J'arrive toujours à passer à travers. Pardon, je grignote à côté. Allez, on continue. Que de niveau. Où sont passées mes clés? Oh yes. Un manoir hanté qui va me... On va faire un peu plus de durée parce qu'il faut récupérer donc 4 clés. Ouh, ça rappelle trop des souvenirs ces manoirs. Merci. Ah oui. Je vois le truc. Alors, soyons logiques.
Hop. Je sais pas du tout. Ah mais je suis bête. Voilà, c'est comme ça, je pense. Allez, il en manque encore un petit peu. Voilà. Hop, on a récupéré une première clé. Alors ici. Ok, il nous faut le pao ici. Donc on va aller chercher le pao. Il est là. Boulet. Ici, à quoi? Ok, bon, on va faire celui-là. Ah. Alors, vas-y, pousse-toi le fantôme. Hop. Ah non. Allez, cours. Et on a la deuxième clé. Donc, il faut 4 clés. Donc, je pense qu'il y a plus de niveaux qu'autre chose. Alors. Ah oui, du coup, on voulait faire celui avec le pao. Voilà, donc on évite de balancer le pao cette fois. Enfin, on va pas le balancer maintenant, quoi. Mais on va le balancer maintenant. Ah. Ah. Mince, mince, mince. J'aurais pas dû le balancer maintenant. Ah là 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 là. Ici, il y a quoi? Ok, les tornades là. Mais elle va pas jusqu'au bout. Allez, on y retourne avec le pao. Voilà. Cette fois, on évite de le balancer trop tôt. On va attendre de monter un tout petit peu. Voilà. Hop, troisième clé. Il nous en manque plus qu'une. Alors, on va aller tout là-bas. On va aller là où il y avait les lucky blocks. Ah ouais, d'accord. Ah. Je pense que là il nous faut le tremplin. Hop. On va aller voir ça tout de suite. Vite, vite, vite. Pour voir s'il n'y avait pas un truc. Non, il n'y avait rien. Donc ça veut dire que c'est un bloc invisible. Et voilà, donc on a la quatrième clé. On va pouvoir s'en aller d'ici. Ouais, parce qu'en soi, ça sert à rien de faire tous les niveaux s'il nous faut que 4 clés. En plus, regardez, il nous en offre une en plus. Hop. Hop. Pour la peine, on va rentrer ici, même si je sais où ça va nous mener. Ah ouais, d'accord. En fait, ça menait pas du tout là où je pensais. Je comprends donc pourquoi il y avait plus de niveaux que je pensais. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit fait. Tac. Parfait. Allez. Plus qu'un niveau à faire. Alors, tempête de sable. Ah bah c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un mage pas comme les autres. D'accord. Ah. Les fameuses tempêtes. Que j'arrive à m'y faire à ces trucs. Voilà.
Hop, le petit champi. Ah non! Ah zut! Ouf! Il est chaud. Voilà. Ah ouais, d'accord. D'accord. Pourquoi pas, hein. Oh punaise, j'ai eu peur. Je me trouve c'est un troll. Allez. Hop, les pièces, hein. Je pensais qu'il y aurait un truc intéressant à l'intérieur. Ah, un champignon. Et la tornade, elle s'arrête jamais. Non, on n'y arrivera pas. Donc tant pis. Tant pis, tant pis, les amis. Allez, on descend. Ouais, tout ça pour des pièces en plus. Hop. Ok. Hop, allez. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, on a fini le rez-de-chaussée. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on va lui parler pour... Voilà, donc on aura la suite qui... Et on est trop pauvre en plus pour la suite. Mais bon, on va s'arrêter là, je pense. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve pour la suite. Allez, bye tout le monde.